très excitant de jouer une semaine comme ça, assez chargée, avec, avec des matchs où, où bien sûr que ça va être des confrontations directes avec des équipes du haut du tableau. Et on a très bien travaillé cette semaine, on a fait à la fois un bilan pour, que vous avez dû voir au niveau des vidéos, mais aussi hier on a travaillé presque 2 heures avec les joueurs. Donc non, j'espère que maintenant on va performer sur les 3 prochains matchs, mais notamment déjà sur celui de demain. Ça fait du bien aussi de revoir tout le monde à l'entraînement, parce que la semaine dernière à Pau, ça a été un peu compliqué de mettre en place quelque chose. Et là, en plus avec les jeunes qui poussent derrière, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le groupe, c'est très intéressant pour nous, et j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. On sentait beaucoup d'application, beaucoup d'implication, de temps en temps un peu de tension, ce qui fait partie un petit peu du football. C'est-à-dire qu'on a envie de jouer ces matchs-là, tout le monde aussi a envie de gagner sa place pour jouer ces matchs-là. Et donc, voilà, j'aurai des choix à faire par rapport au groupe. Et c'est bien, c'est très important pour l'émulation qu'on peut avoir dans le groupe. Ça va être des matchs qui vont être très très intéressants. Personnellement et notre groupe, on n'a pas vraiment de pression. On va essayer de jouer les matchs en imposant ce qu'on peut imposer, en essayant de jouer notre jeu et en essayant bien sûr de performer à la fois offensivement et défensivement. Ce qui est important pour nous, c'est aujourd'hui de continuer à avancer dans ce championnat avec beaucoup d'humilité, en respectant toutes les équipes et notamment les équipes qui sont aussi avec nous au classement, en haut du classement. C'est une équipe qui a des très très bons joueurs dans la qualité technique, qui est bien en place, mais qui sait aussi, et on le voit, puisque c'est la meilleure équipe et la meilleure attaque du championnat, quand elle sort et quand elle contre, elle fait très mal, parce qu'à chaque occasion, presque, il y a but. Et ça, il va falloir faire très attention. Maintenant, quand on joue un derby, il faudra être encore plus... encore plus agressif, encore plus dans le jeu, encore plus de choses, mettre plus de choses de toute façon. Il faudra faire plus de choses et repousser certaines limites, parce que c'est comme ça, ça fait partie d'un match très particulier et les joueurs le savent. Mais de notre côté comme de l'autre côté, ça sera pareil de toute façon. L'important demain, c'est bien sûr de gagner ce match-là, pour de toute façon laisser déjà les autres équipes, en fonction de ce qu'elles auront joué. Il y a quand même un Toulouse-Clermont aussi demain. Donc en fonction des performances de chacun, on peut aussi malgré tout faire le trou sur d'autres équipes. Donc je ne vais pas me contenter de garder un certain nombre de points avec Auxerre, parce que ce championnat est très serré. Et j'en ai parlé cette semaine, ça repousse aussi les limites de toutes les équipes, parce qu'on sait que quand on fait un faux pas, ça va vite d'un côté ou de l'autre et il faut avancer nous.